Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes. Cette semaine, émission un peu spéciale, coup de cœur pour moi qui suis d'origine lorraine. Je vais vous faire découvrir des artistes lorrains qui vivent encore Lorraine ou qui sont mondialement connus. Petite surprise, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Mais où est-ce qu'on est ici? Un lieu un petit peu étrange, je ne vous le cacherai pas. Nous sommes dans la ville de Baccara où en 1764, le roi Louis XV a autorisé la création de la cristallerie de Baccara. Aujourd'hui, Baccara résonne en France et dans le monde entier comme le symbole du luxe à la française. On va découvrir petit à petit les différentes étapes de création des œuvres signées Baccara. Mais sans plus attendre, je vous l'ai promis, le sommaire tout à fait exceptionnel de ce Culture T en Lorraine. Patricia Cass, son nom, sa voix sont connues évidemment en Lorraine, en France et dans le monde entier. Sa tournée consacrée à Edith Piaf ne fait qu'accentuer le phénomène. Nous sommes allés à sa rencontre. Frédéric Pilot est illustrateur pour enfants. Il travaille notamment avec l'écrivain Daniel Picouli. C'est Nicolas Béard qui nous raconte cette très belle histoire. Mais sans plus attendre, on va aller découvrir un acteur qui est originaire de Lorraine. C'est Tom Novembre et c'est notre grand spécialiste cinéma Simon Barbaré qui allait à sa rencontre. Or je vous quitte, je vais aller m'abriter, c'est la petite pluie de Lorraine, elle est bien connue, elle n'est pas dangereuse. A tout de suite. All set, let's go. Je suis le frère de, l'espèce de, je suis pas un chanteur, je suis pas un acteur, je suis un personnage. Nous sommes des nains de 1m80, nous sommes des nains. Un acteur qui chante, c'est comme ça qu'on peut qualifier Tom Novembre. À Nancy, sa ville natale, il découvre la scène dès son plus jeune âge avec le Festival mondial du théâtre. Ajoutez à cela une famille d'artistes dont le plus illustre son frère Charles-Élie Couture pour l'encourager et le personnage était né. On est encore débutant, si t'es un travailleur. Un personnage, c'est un artiste, en l'occurrence, un terme générique assez flou, mais qui m'autorise beaucoup de choses. Donc moi, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre quand j'avais 15 ans. Si tu mets d'un côté le Festival mondial, qui devient un exemple de tous les possibles du théâtre, on va dire, et si tu mets une famille et un frangin qui explore dans ce sens-là, tu te dis, pourquoi pas moi? Le fait d'avoir une grand-mère qui avait gagné sa vie en donnant des cours de piano, d'avoir un père qui avait fait une école d'architecture avant d'être prof d'histoire de l'art, puis antiquaire, décorateur. Ça faisait que l'art n'était pas un domaine pauvre ou subalterne ou méprisable, parce que c'est pas un vrai métier, vu qu'on s'amuse tout le temps. Hein. Vous trouvez juste qu'il soit enfermé? Je manquerais plus de les laisser se balader comme des clébards. C'est vous qui dites ça? Je croyais que vous aimiez les animaux. Oh, les chiens, les chats, les cochons d'Inde à la rigueur. Sur la scène, au cinéma ou encore à la télévision, Tom Novembre ne boude aucun format et profite de chaque occasion pour se mettre au service de l'art. Ces deux œuvres en fibre de verre colorée sont des personnages centraux de l'univers de l'artiste japonais Takashi Murakami. L'art contemporain n'est pas nécessairement tributaire d'un savoir d'esthète super cultivé. Le rapport à la beauté et à la laideur, c'est un débat relativement intime. Philosophique peut-être, mais bon, voilà, je dirais, je reproche à la télé de ne pas être assez philosophe peut-être, ou de ne pas aider les gens à le devenir plus. Mais quand on devient philosophe, on prend du recul. Et quand on prend du recul, on commence à regarder la réalité autrement. Et ça, les pouvoirs n'aiment pas. Et dans la chanson Bande de pions en 2002, ouais, vous fustigez déjà l'impuissance des politiques. Ouais. Et depuis, la crise a encore accentué ce sentiment chez les Français. Ah, vous étiez un précurseur. Vous étiez un visionnaire, en fait. Dans la grande cathédrale du Grand Conseil mondial, réunion au sommet pour tous les délégués. L'heure est grave, le temps presse. Ceux qui savent serrent les fesses. Je n'aime pas les gens de pouvoir, je n'aime pas les gens qui ont le goût du pouvoir. Donc, je dirais, j'ai du mal avec les politiques. Il n'y a plus de vision, ni de la France, ni de l'Europe. Il n'y a que les visions précédentes qu'on pérennise, qu'on défend, qu'on essaye d'adapter aux circonstances du moment. Mais il n'y a pas de... Voilà, ils se défendent en disant, mais on est tributaire de l'économie mondiale, c'est pas nous qu'on peut décider, hein. On n'est plus assez fort, on n'a pas de poids, on n'est pas... Donc, on ne peut pas décider, il faut attendre la décision d'outre-Atlantique ou de l'Organisation mondiale.
Donc, ok, bah, d'accord, les gars, donc vous servez plus à rien. Je pèse mes mots. Est-ce qu'un artiste doit prendre parti sur des débats publics, par exemple, des choses qui touchent la société? Libre à lui, libre à lui. Un artiste, il a le droit de dire ce qu'il pense. Après, on peut considérer qu'il n'a pas la légitimité pour, parce que c'est pas un spécialiste de la question. Mais voilà, mais alors dans ce cas, vous n'allez pas faire des micro-trottoirs et demander à un couillon sur une plaque d'égout ce qu'il pense du revirement de l'économie nationale par rapport à la mécanique quantique, des progrès philosophiques, de la soupière notamment. Cette année, Tom Novembre retourne sur les planches avec une pièce mise en scène par un ancien complice, André Engel, au théâtre Chaillot. On va faire la double mort de l'horloger, deux pièces d'Horvat à Chaillot cet automne. Et donc, ça c'est un grand plaisir après la petite Catherine de Hellbronn qu'on avait joué à l'Européen. De retrouver un homme de grande qualité comme lui. C'est la chanson des babas qui parle. Et comme tout bon artiste qui se respecte, Tom Novembre nous a donné beaucoup pendant cet entretien. Et désolé Tom si cette fois-ci, on n'a pas pu tout garder. Ah, tu vas couper ? Ah, il va couper. Alors que le plus intéressant, c'est tout ce qu'il ne va pas garder. Ciao, bye. Allez, bonne fin de journée. All set ? Let's go. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Philippe. C'est un peu le cœur nucléaire du chez Baccarat ici. Ah, tout à fait, nous sommes dans l'atelier des Halles, surtout du verre à chaud. Le verre à chaud, il y a un très gros four derrière nous, c'est ça, avec plein d'entrées. C'est quoi les entrées partout? Le four est composé de 21 pots. Un pot contient à peu près 750 kg de verre. D'accord. C'est à quelle température le four en permanence? Le four est à 1450 au cœur, 1500, et on le travaille à 1250 degrés. 1250. Baccarat, c'est une ville, une entreprise que vous connaissez depuis longtemps? Ah ben, je suis rentré à l'âge de 16 ans, en 1975. J'ai 54 ans, alors je commence à avoir un peu de métier derrière. Je crois que c'est une entreprise aussi familiale pour vous. Ah, hein. Mon grand-père y a travaillé 52 ans, mes 7 frères et sœurs y ont travaillé, ainsi que ma mère. Il y a un vrai plaisir à travailler le verre, j'imagine, le cristal ici. Hein. Le cristal, c'est une matière vivante et on a plein de choses à fabriquer avec cette matière. Alors Daniel, on vous a vu avec un de vos collègues qui a la canne, hein, c'est bien ça? Il soufflait dedans, ça sert à quoi de souffler dans la canne? Ça sert à la mise en forme de la pièce, hein, qui est dans un moule et on lui donne une certaine pression, ce qui donne ce qui épouse le moule. Donc finalement, c'est comme un ballon qui gonfle et qui prend la forme du moule. Tout à fait, ça, mais il faut souffler à vraiment ce qu'il faut souffler. Daniel, merci beaucoup. À tout plaisir, c'est pour nous. C'est un plaisir de vous rencontrer ici. Maintenant, on va aller voir Patricia Cass, l'enfant du pays. Elle est bien sûr connue dans le monde entier. Son hommage à Edith Piaf, sa tournée mondiale ne fait qu'accentuer le phénomène. Elle vit à Paris, mais elle n'a rien oublié de ses racines lorraines. Ciel bleu sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Patricia, bonjour. Bonjour. Merci de participer à l'émission. Vous faites une tournée mondiale. Vous traversez de nombreux pays avec cet hommage à Edith Piaf. Qu'est-ce qui vous reste de la petite môme de Lorraine lorsque vous êtes au fin fond du monde, sur ces grandes scènes? Tout dans le sens où il y a mon caractère, il y a ce que j'ai appris, l'essentiel. C'est-à-dire le respect, la discipline et... Et après, tout ce que j'ai appris, je sais pas. Donc forcément, c'est là, c'est présent, toujours. Lorsque vous étiez enfant, vous rêviez de parcourir le monde? Ou c'était totalement... Mon rêve n'allait pas aussi loin. Mon rêve, c'était de chanter.
parce que c'était devenu une façon de m'exprimer, c'était un besoin. J'aimais la scène parce que j'aimais le contact avec les gens. Et donc forcément, c'était de chanter. Maintenant, c'est sûr que mon rêve est allé beaucoup plus loin que ce que je pouvais penser. Willkommen, bienvenue dans un monde décadent. Tout un jeu de séduction, de sourire, de passion. Lorsque vous rentrez sur scène, que ce soit à Paris, à New York, au Japon. Ça fait chic, hein, c'est bien. C'est pas mal, hein. Oui. Vous entrez toujours dans la lumière, comme un insecte fou? Ben, j'entre toujours dans la lumière, oui, vaut mieux, parce que sinon on ne me voit pas. Mais comme un insecte fou, ouais, parce que j'aime me lâcher, j'aime donner à fond, j'aime... Donc oui. C'est marrant d'ailleurs, parce que cette chanson est une chanson qui parle justement de cette scène, de cette... d'entrer en scène, mais qui est devenue pour certaines personnes une chanson qui parle de la vie, parce que comme un enfant qui naît, ou de la mort quand quelqu'un part et entre dans la lumière, et voilà. Donc c'est une chanson que j'aime beaucoup, ça. C'est une de mes chansons préférées de mon répertoire. Lorsque vous êtes au bout du monde, le plaisir est le même, l'émotion est la même, quel que soit le public, ou c'est vraiment différent selon certains pays? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend dans la salle dans laquelle je chante, ça dépend de comment je me sens le matin, ou la journée. Le public, forcément, quand il est francophone, c'est différent, on ressent une différence, parce qu'il me comprend mieux, parce qu'il comprend les textes, il peut chanter plus facilement. Mais après, l'émotion et tout ça, il suffit qu'il y ait une personne comme ça dans le premier rang qui va tendre une main, qui va pleurer ou sourire, et ça interpelle. Et ça change en fait un... Je m'adapte au public. Des fois, le même spectacle a plus d'énergie, des fois il est plus dans l'émotion. J'essaye d'aller là où les gens... Ce que je ressens du public, en fait, quand je suis dans la salle. Ce qu'on dit parfois, par exemple, les publics japonais sont très sages, ils applaudissent juste à la fin. C'est vrai que bon, là, j'y étais pas encore avec Piaf, mais on y va bientôt. Mais ils sont très disciplinés. En fait, il faut on chante, et après, il faut dire, c'est bon, là, on peut applaudir. Là, voilà, c'est vrai. Il faut le savoir. Non, avant. C'est vrai. Lorsqu'on est au bout du monde, est-ce qu'on a forcément un petit peu le mal du pays, ou est-ce que justement ça donne une liberté formidable de se dire « je suis loin », c'est une belle liberté aussi à vivre? Bon, c'est une belle liberté. Maintenant, c'est sûr que... On part jamais pendant 3 mois d'affilée, donc on a quand même toujours la chance, parce que je ne sais pas si c'est le mal du pays, mais c'est en tout cas le mal de son lit, le mal de chez soi. Cocon, ouais. Parce que tourner un lit tous les soirs, des fois tu ne sais plus où tu es vraiment, et ça fait du bien de rentrer un jour, 2 jours. Il faut bosser, il faut y aller. Vous vous sentez presque représentante, un peu bleu, blanc, rouge de la France parce qu'on le dit, ambassadrice de la chanson française, parce qu'on le dit. Mais sinon, moi, c'est égoïste, j'y vais parce que j'y vais pour moi. On disait la même chose d'Edith Piaf aussi, hein, elle était un peu l'incarnation de la France non, à l'étranger. C'est vrai. Mais bon, moi, j'y vais surtout parce que je suis curieuse et j'y vais pour moi. Hein. Après, si ça peut aider à ouvrir les barrières de la langue française. Je sais que dans les pays de l'Est, on étudie sur certaines de mes chansons. Il y a des gens qui apprennent le français pour comprendre mes chansons. Ben, ça, c'est super. Et puis, c'est touchant. Mais je veux bien porter ce drapeau-là. Mais bon, avant tout, c'est pour moi. Vous êtes rendu compte très tôt, même enfant, comme on le disait tout à l'heure, que votre voix, justement, procurait de l'émotion et donner quelque chose aux gens? Je savais que j'avais une voix qui était plutôt dans le bas, donc ronde et puissante, surtout quand j'étais plus jeune. Mais l'émotion, c'était différent aussi, parce que j'en avais pas autant quand j'étais petite. Parce qu'il faut avoir un certain vécu aussi, et malheureusement, ce sont les moments difficiles qui vous apprennent la vie. Et,
Et peut-être parce qu'il y a une authenticité dans le sens où je chante comme je parle et comme j'ai vécu des choses, ça doit se ressentir, je ne sais pas. Comme là, pour interpréter Piaf, c'est vrai que beaucoup m'ont dit « t'as pas peur » parce que... Et en fin de compte, je voulais les interpréter à ma façon et avec mon vécu. En fait, je me sers de ces chansons pour exprimer des choses que j'ai ressenties. Et ça fait vivre les chansons aussi un peu d'une façon différente. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandes. Ce qui est très étonnant avec Piaf, c'est qu'on a l'impression que les chansons ont quasiment été écrites ces jours-ci, tellement elles sont d'actualité, dans l'émotion justement, comme on disait, dans les mots qui sont employés. Oui, elle était assez, c'est vrai qu'elle était assez avant-garde sur ça, sur pas mal de choses d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui la trouvent rock, il y a des gens qui la trouvent rappeuse, il y a des... C'était vraiment une femme d'aujourd'hui, très indépendante. Ouais, tout à fait. Je me souviens, Aznavour un jour m'a dit, ce qui n'est pas la mode ne sera jamais démodable, dans le sens où, voilà. Mais, ouais, elle avait ce truc, mais je crois qu'elle avait justement ça, elle avait une espèce d'authenticité dans son interprétation, et bon, elle avait une vie quand même assez... assez extrême dans tout ce qu'elle faisait. Et... Cette tournée, c'est aussi la rencontre entre Edith et Patricia et Edith, finalement. Ouais, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver ma place, parce que je voulais vraiment que ce soit Cash Chante Piaf. C'est pour ça que je voulais ce titre pour la tournée. Vous vous sentiez un petit peu étrangère au début par rapport à Edith Piaf? Vous l'aviez déjà chanté avant? Je me sentais étrangère parce que c'est pas mes chansons, parce que elle est qui elle est, parce que oui, j'avais chanté La Vie en Rose, j'avais chanté Sous le ciel de Paris, mais je ne sais pas si j'avais assez de confiance en moi. Et effectivement, dans ces dernières années, il y a eu d'abord une autobiographie qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup aidée. Le regard que j'ai sur moi est différent. Ça m'a donné une certaine confiance parce que de dire « ouais, je monte sur scène, pas de problème pendant 2 heures, je chante du Edith Piaf », il faut quand même le faire. Mais je voulais surtout pas copier, parce qu'un copier-coller, ça m'aurait pas plu du tout. Et j'ai pas mal lu, j'ai pas mal écouté de ce qu'on disait d'elle, mais j'ai pas beaucoup regardé, parce que je voulais justement éviter ça, de ressembler. Alors, tout le spectacle tourne autour d'elle, dans le sens où il y a un hommage ou à sa croyance, ou à des gens comme Cocteau, qui étaient importants dans sa vie, ou à une certaine émotion. Alors à un moment, il y a bien sûr à un moment une petite gestuelle, mais il n'y a jamais la douche de lumière, la robe noire et les mains, quoi. Donc ça, c'est, je ne voulais pas. Et pour les arrangements, pareil, je suis quand même allée assez pas loin dans... Bon, il y a des chansons comme Milord, par exemple, qui a été changée, mais j'avais envie de travailler avec Abel Korzeniowski parce qu'il avait sa dramaturgie, l'émotion qui me faisait penser à Edith Piaf. Et voilà, et c'est une façon aussi aujourd'hui de montrer que Piaf, ça n'a pas de temps. C'est pour ça que je préfère qu'on vienne le voir, l'entendre sur scène, que l'écouter sur le disque, à la limite. Est-ce que dans une centaine d'années, quelqu'un vous rendra hommage, peut-être? Vous dites, ça serait bien? Ben oui, ce serait bien. Ben, bien sûr, ce serait bien. Bon, après, je ne sais pas comment il le fera, je verrai de là-haut. Mais j'espère qu'il le fera à sa façon, parce que de copier, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Avec ce soleil, on avait envie de ne pas parler, de boire la vie à petites coulées sous le ciel superbe. Le long du talus, mâchant un moin d'herbe, et je peux coller. Elle regardait d'un air triomphant ce jeune homme imberbe, encore presque enfant, qui la désirait. Il aurait fallu presque rien, peut-être un geste de lui, un sourire d'elle qui lui dise viens.
Il aurait fallu presque rien, peut-être qu'un oiseau s'enfuit avec un bruit tel pour que tout soit bien. All set? Let's go. On continue notre découverte de cette très belle manufacture Baccarat. Nous sommes désormais dans l'atelier à froid. On continue de travailler le cristal, vous le voyez sur ces images. Nous, on va aller désormais à la rencontre de Frédéric Pilot. Frédéric est illustrateur pour enfants et travaille notamment avec l'écrivain Daniel Picouli. Vous connaissez sans doute Lulu Vromette. C'est parti pour une très belle rencontre. All set, let's go. Grâce à la série Chez Manière Jeunesse, mais aussi grâce au dessin animé, la petite tortue Lulu Vroumette est devenue l'idole des plus petits. Ah, Madame Froufrou, l'amoureuse ! Ce n'est pourtant qu'un dixième, qu'un centième de l'œuvre de Frédéric Pilot, un artiste qui œuvre pour l'imaginaire des enfants depuis des années à travers ses albums, mais aussi ses romans première lecture. L'inspiration première, c'est le texte, évidemment, qui m'est fourni. Et ensuite, après, je développe avec les petites armes et mes petits magasins à images des choses qui peuvent être en accord avec l'esprit et l'histoire de ses écrits. Thérèse Miaou, Raoul Taffin ou encore le chien Edmond, autant de mascottes de nos chères petites têtes blondes imaginées par Frédéric Pilot. Des personnages qui ont su faire mouche chez les plus jeunes grâce au trait de cet illustrateur lorrain qui a su conserver son âme d'enfant. J'ai pas mal de séries qui fonctionnent au niveau de l'édition. Donc c'est des personnages qui existent et donc après il faut continuer à les faire vivre. Voilà, c'est là du coup pour eux c'est. Enfin pour le coup c'est un peu eux qui décident. J'ai des souvenirs moi d'avoir vu des images. Quand j'étais enfant, et là, c'est vrai que quand je travaille, j'ai tendance à vouloir faire les images que j'aurais encore aimé voir enfant. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je dessine pour moi. Il y a bel et bien un style Pilot. Un trait dynamique et empreint de mouvement, un graphisme très accessible, le tout servi par un généreux travail sur la couleur. Quand je bosse pour la presse ou pour des collections de poches comme ça, où j'ai besoin d'un dessin peut-être un petit peu plus rapide ou efficace, donc là je travaille à l'encre et aquarelle. Et sinon sur mes collections d'albums, là je suis plus dans un boulot d'acrylique qui est plus un peu plus monacal, si on veut dire, un peu, où je passe un peu plus de temps et où je peaufine des images comme ça avec toujours beaucoup de plaisir. Ouais. Au départ, je dessinais très peu, enfin, je n'osais pas trop la couleur. Voilà, c'est un parcours qui est un peu classique, c'est-à-dire qu'au début, on a un petit peu peur de la couleur, parce que c'est le problème de l'harmonie. C'est-à-dire que quand on fait un dessin un peu monochrome et qu'on rajoute une couleur, c'est tout de suite formidable. On met que du gris, on met un rouge, c'est magique, etc. Et après, quand on commence à mettre un vert à côté, ça peut des fois dissonner. Et donc, il y a vraiment, c'est vrai que c'est des métaphores musicales, mais il y a vraiment une harmonie à trouver. Et plus on rajoute d'instruments, et plus ça devient compliqué, ou comme un jongleur qui doit rajouter une balle. Et donc avec le temps, on ose un petit peu plus la couleur et on arrive des fois à une harmonie. All set? Let's go. Flou, je te vois flou. C'est un peu un poème à la Prévert, évidemment. Mais c'est pour un lustre signé du designer
Philippe Starck, vous le connaissez hein, pour ses phrases et surtout son talent. Vous le voyez ici, un luxe tout à fait magnifique. On continue de découvrir les différents ateliers de la manufacture Baccarat. Ici, on lustre et on monte les éléments des différentes pièces. Désormais, je vais vous emmener à quelques kilomètres d'ici, sur la ville de Metz, au musée Beaubourg. Monsieur Nicolas Béard nous fait découvrir ce musée qui est l'un des fleurons de la vie culturelle ici, en Lorraine. All set, let's go. Il s'en est passé des expositions et des visiteurs depuis son inauguration en mai 2010. 3 ans plus tard, force est de constater que le Centre Pompidou Metz est un franc succès. Le public est plus que jamais au rendez-vous, un public d'ailleurs essentiellement lorrain. 3 ans pour le Centre Pompidou Metz, 3 ans d'énergie, 3 ans de passion, 1 800 000 visiteurs et surtout vraiment un projet culturel ancré dans une réalité locale. C'est la grande surprise de notre aventure culturelle. Nous avons un public majoritairement lorrain, plus de 50% de visiteurs, lorrains, mosellans, messins. C'est vraiment magique d'avoir pu ancrer une aventure liée à l'art moderne et contemporain dans une réalité locale. L'inauguration a été un feu d'artifice. Aujourd'hui, on rentre plus dans notre rythme de croisière, mais il faut maintenant consolider ce projet. C'est vraiment toute notre ambition pour les années à venir. Avec sa position transfrontalière dans le Grand Est, l'antenne Lorraine de Beaubourg attire aussi un large public européen. Attiré par ses 4 galeries d'exposition. Et même si l'effet découverte est bien sûr passé 3 ans plus tard, 475 000 visiteurs se sont tout de même pressés aux portes de ce fleuron culturel lorrain en 2012. Le centre Pompidou-Metz reste le lieu d'exposition le plus fréquenté hors Île-de-France. Cela part d'un principe, une collection nationale, celle du centre Pompidou de Paris, qui n'est pas une collection parisienne. Et donc tenter une aventure qui lie une architecture extraordinaire, celle de Shigeru Ban, architecte japonais avec sa toiture magnifique, avec un projet culturel fondé sur le meilleur des collections du Centre Pompidou Paris. Matisse, Picasso, Mondrian, Pollock, Fernand Léger, ils sont là tous à la parade pour nous offrir une politique d'exposition temporaire toujours en renouvellement. Francis Ponge avait parlé de mouvement, la contraction de monuments et de mouvements, je crois que cela colle bien à notre projet. L'année 2013 s'est terminée en beauté avec une exposition 100% vidéo consacrée au poète Allen Ginsberg et à la Beat Generation. Une autre consacrée aux images aériennes intitulée Vue d'en haut ou encore une rétrospective consacrée à l'artiste conceptuel Sol Lewitt. All set, let's go. C'est de l'atelier de dorure qu'on va conclure cette émission consacrée aux artistes lorrains. Je tenais à remercier vivement l'ensemble des personnels de la cristallerie Baccarat de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de tourner dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Les infos de votre émission, c'est les réseaux sociaux avec Facebook, Twitter, mon profil est celui de Public Sénat. Et tous les vendredis matin, mes chroniques coup de cœur, bande dessinée dans Métro et Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Like the legend of the phoenix, ends where beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.